Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super l'équipe. On se retrouve aujourd'hui les gars dans cette nouvelle vidéo pour une petite préparation de Kaloud. Donc je vais vous montrer comment bien préparer sa chicha, son foyer pour Kaloud avec son système de chauffe. Quel charbon obtenir pour avoir un bon rendu de fumée et de goût, ce qui est le plus important. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, un petit commentaire, le petit bouton s'abonner les gars, comme d'habitude ça fait toujours plaisir, Snap, Instagram. Et du coup vas-y on va commencer la vidéo les gars tout de suite. Du coup les gars, comment bien préparer sa chicha, Kaloud entre guillemets. Du coup les gars, déjà il va vous falloir une chicha. Alors peu importe que ce soit une Mini Mia, une Céleste, une chicha à 50, 100, 200 euros, le rendu de fumée va être quasi équivalent. Ce qui va compter les gars, pour faire une bonne préparation, avoir un bon goût en bouche, avoir une grosse fumée particulièrement, il faut un bon système de chauffe et un bon foyer. Là, la vidéo va se comporter sur les systèmes de chauffe type Kaloud. Du coup, l'un des meilleurs foyers que je pourrais vous conseiller, les gars, ça sera le Ramsès Isis V2. Ramsès Isis V2, les gars, dispo sur les sites de Royal Chicha à partir de 15 euros. Les gars, le lien sera en description. Au niveau du système de chauffe, on va utiliser un Kaloud. Pareil, les gars, lien dans la description. Petit Kaloud à 20 euros. Hop, comme ceci, tout simple. Au niveau des charbons, de base, je ne fais plus dessus, mais là pour la vidéo, pour vous montrer en Kaloud comment ça va donner, je vais utiliser les gars des fraîches coco suprêmes. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fumé dessus. Les fraîches coco suprêmes qui sont des charbons en trois parties, donc en triangle. En fait, quand vous allez mettre vos charbons à l'intérieur, ça va se mettre en forme de triangle. Vous allez en mettre trois et ça va faire la forme d'un rond en fait à l'intérieur qui va remplir entièrement le Kaloud. Du coup les gars, une fois que vous avez votre foyer, votre Kaloud, vos charbons, ce qu'on va faire, on va faire la préparation, on va prendre du tabac. Moi personnellement je vais fumer un petit Jumanji obscur, donc une petite menthe assez fraîche. Je vais vous montrer la préparation les gars et je vais vous dire quoi faire, que faire, et voilà, on va vous montrer la prépa quoi directement. Du coup les gars, hop, on va prendre le foyer comme ceci, on va prendre le tabac, donc le petit Jumanji directement. Ce que je vais faire, je vais remuer un petit peu moi-même parce que la glycérine est au fond du pot. Hop, voilà, histoire que c'est de bien reglycériner le tabac. Ensuite, ce que vous faites, vous allez prendre votre tabac. Boum. Moi, petite astuce pour pas me salir les mains, sinon vous pouvez mettre directement la main dedans. Vous allez prendre votre tabac, bien glycériné, parce que sur Kaloud, faut que votre tabac, les gars, soit bien glycériné. Hop, ce qu'on va faire, boum, on va mettre le tabac à l'intérieur du foyer. On va laisser tomber le tabac dans le foyer. Hop. Là pour l'instant c'est l'étape où un peu vous en battez un peu les couilles. Vous posez juste votre tabac dedans. Vous faites en sorte de bien remplir, hop, le foyer. Hop, comme ceci. Ensuite, je vais récupérer les petits bouts que j'ai fait tomber. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Hop. Donc pour l'instant les gars ça rend comme ça. Donc là c'est pas propre, c'est juste été posé dessus. Ce que vous allez faire les gars, vous allez prendre votre petit pic à chicha. Moi j'ai un petit pic El Badia qui fait largement le travail. Hop. Et vous allez essayer d'arranger la préparation. Hop. De bien mettre votre tabac, histoire de bien égaliser les gars la prépa, que ça soit bien aéré et non tassé. Faut pas que ça soit trop tassé. Hop. C'est bien égalisé un peu partout, que ça soit bien équivalent les gars. Que ça soit pas d'un côté ça soit trop gros, l'autre trop plat. Hop, vous arrangez votre prépa les gars, tout simplement. Hop. Je vais pas faire d'overpack dessus, sinon le poteau il va m'insulter parce que c'est son Kaloud. Étant donné que je fume plus trop Kaloud en ce moment. Hop. Voilà. Au niveau de la prépa, les gars, ça va rendre comme ça. Hop, je vais mettre l'autofocus. Qu'est-ce qu'il va se faire, l'autofocus? Il est en train de se faire, c'est calme. Voilà, au niveau de la prépa, les gars, ça rend comme ça. C'est propre, ça c'est distingué. Il y a quelques petites branches dans ce tabac-là, mais voilà, c'est pas trop un inconvénient, étant donné que celui-là, c'est un funnel. Du coup les gars, ce que je vais faire, je vais aller mettre les charbons directement sur la plaque. Je vais prendre 3 charbons de chez Fresh Coco les gars. Et je vais les faire chauffer sur la plaque. Et on va se retrouver tout de suite les gars pour le test.
Bon, du coup, l'équipe, voilà, je vais vous montrer le passage un peu avec la plaque et tout pour vous montrer comment je fais. Petite plaque chauffante, les gars, ça coûte une vingtaine d'euros. Même sur le site de Royal Chalet, les gars, vous en avez des pas chers ou quoi. Hop, j'ai mis mes trois charbons sur la plaque. Boum, j'allume, je la mets directement à fond. Et là, on va attendre 8 minutes à peu près, le temps que les charbons s'allument bien. Et on va se retrouver directement, les gars, pour le rendu enfumé. Bon, les gars, au niveau du caloud, ça va rendre comme ça. Là, vous avez vos trois charbons qui sont à l'intérieur. Voilà, une fois que c'est bien chaud, les gars, vous allez poser directement sur votre foyer. Boum. Petit foyer comme ceci. Ce que je vais faire, je vais mettre la coupelle. Bon, une fois que votre coupelle est mise, les gars, vous laissez bien le capot ouvert pour pas que les charbons s'éteignent à l'intérieur. N'hésitez pas à souffler dessus, les gars, toutes les 3-4 minutes pour faire en sorte que vos charbons ne s'éteignent pas. Du coup, voilà. Et là, maintenant, vous allez entendre à peu près 7-8 minutes. Le temps que le tabac monte en température et du coup nous on se retrouve dans 8 minutes les gars pour voir le rendu de la fumée. Du coup l'équipe, ça y est, la chair est enfin prête, on a fait la petite préparation les gars sur le Ramsès, le Caloud, les 3 charbons fraîche coco suprême, petite menthe de Shijumonji. On va tester ça, ça fait 8 minutes, je vais tirer la première barre. Oui les gars, ça fume super bien. La préparation a été approuvée. On a un bon goût en bouche, on n'a pas de goût de parasite, on sent que le tabac. Voilà, c'est nickel, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, la prépa est propre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de prépa sur le Ramsès. Bah si, je crois dans ma vidéo d'hier pour le test du dump. Mais bref, j'en fais très peu en ce moment, je suis une cobroude particulièrement. Mais là voilà, petite préparation Ramsès avec le petit caloud, ça date un petit peu, ça fait plaisir. Pour les gens qui ont encore du mal à faire votre prépa, là franchement les gars, vous avez plus d'excuses, tout est propre, la chair fonctionne très bien. On a un bon goût, là vous êtes parti pour 1h15, 1h20. Du coup voilà les gars, c'est magnifique. Les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Dites-moi en commentaire les gars, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse comme préparation, sur quel système de chauffe, admettons sur Quasar, sur Provost, sur le plancton avec le hot shot. Dites-moi quelle prépa vous voulez que je fasse les gars dans les commentaires et je le ferai, du coup je vous montrerai plusieurs préparations de ce type là, du coup voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo les gars, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, et du coup voilà, c'était Yuan Cha, allez, bye tout le monde.